En ces temps qui précédèrent l'ère chrétienne, fort peu de gens croyaient en un seul Dieu. Le polythéisme était la règle générale. Il n'y avait guère que les adeptes de Jéhovah qui crussent en un Dieu unique, alors que le reste de l'humanité vénérait quelque 65 000 divinités aussi étranges que variées. Parmi ces dernières, les plus célèbres étaient Baal et Astarté, le principe mâle et le principe femelle, dieux de la chair et non point de l'âme. Chaque année, ils étaient censés rendre à la terre sa fertilité. En échange de ces bienfaits, ils exigeaient de leurs adeptes des sacrifices en argent ou en joyaux, et parfois même des sacrifices humains. Notre récit a pour cadre cette époque. Il est basé sur la parabole du fils prodigue, telle que nous l'a conté saint Luc au chapitre 15 de son évangile. L'histoire commence au port de Joppé, en l'an 70 avant Jésus-Christ. Il vient de prendre la fuite. Alors, il ne doit pas coûter bien cher. Quel prix en demandes-tu? Il n'est pas à vendre. J'ai des ordres précis. Il doit mourir. Pourquoi? Demande-le-lui. Il est muet. Il n'a plus de langue. Parle donc, puisque tu en as une. Certain? Pour la dernière fois. Quel est son prix? Je sais. Je sais que mon maître l'a payé 25 pièces d'argent. Joram, la bourse est vide. Elle est toujours vide. Comme toujours, je te ferai un emprunt. Prête-moi donc les 25 pièces d'argent qu'il réclame. Notre père ne nous a pas dit qu'il fallait ramener un esclave. C'est juste, mais il répète sans cesse, celui qui est bon envers son prochain... Un authentique descendant d'Abraham. Tu as toujours réponse à tout. Insensé, relève-toi, tu es libre. Tu perds un temps précieux, enfuis-toi au plus vite de ces lieux. Tiens! Depuis notre départ de Petra, tu sembles t'ingénier à provoquer des incidents. Depuis notre départ de Petra, tu t'ingénies à me faire grise mine. Les champs ont besoin d'eau. N'attendons pas plus longtemps pour arroser. Père, cet homme est blessé. Doucement. Il a eu l'épaule traversée par une lance. Caleb, porte le blessé dans la grande chambre. Veille à ce qu'on vaccine son lit, n'est-ce pas? À Caleb, qu'on lui fasse boire du bouillon quand il reprendra ses sens. Qui est-ce? Un esclave qui s'est enfui. À ne rien vous cacher, Maïka a versé pour lui 25 pièces d'argent et failli être tué. Mais vous nous avez si souvent dit... Celui qui est bon envers son prochain est un vrai descendant d'Abraham. Croyez-moi, même si ces paroles semblent se retourner contre moi. Et ce voyage à Petra? Jamais encore, je n'ai ramené plus d'argent. Et puis Maïka, je dois le dire, a été un fort bon élève. Il a étudié. Pas le commerce, bien sûr, mais tout ce qu'il faut savoir en matière de vin entre ici et Petra. Ta famille, Joram, ne la fais pas attendre. Myriam, Déborah, David! J'ai mangé la moitié du sable du désert et ramené l'autre moitié avec moi. Je vais me laver. Frotte-toi bien, Maïka. Un homme qui va se fiancer n'est jamais assez propre. Encore? Encore. Une femme. Et qui avez-vous choisi?
La fille de notre voisin Tobia. Ruth? Pendant ton absence, j'ai parlé à Tobia. Demain matin, nous nous rendrons chez lui afin de préparer le contrat de mariage. Est-ce que mon choix te plaît? Je l'estime des plus sages. J'admire Ruth. Je la respecte. Plus qu'aucune autre. Mais... j'ai du mal à trouver les mots appropriés. Qu'importe les mots quand on se comprend comme nous, Mike. Tu me laisses entendre que tu ne l'aimes pas. Je n'ai fait la connaissance de ta mère que le jour de nos fiançailles, cependant. Nous deux. Je sais que sans elle, vous vous sentez bien seul. Jamais quand tu es près de moi, Mike. Tu ressembles tant à ta mère, tu as son amour de la vie. À présent, fais tes ablutions. Après, nous dirons la prière du soir. Et ensuite, nous mangerons. J'ai une faim à dévorer un veau gras entier. Selon la loi de Moïse et celle d'Israël, en ce septième jour du mois de Nisan, de saintes fiançailles sont solennellement conclues entre Maïka Benelli et Ruth Bastobia. Ce par quoi le futur s'engage à protéger, à honorer, à nourrir celle qui deviendra son épouse. Les termes et conditions par-devant nous stipulés s'établissent comme suit. Tobia, nous serons vite d'accord sur les termes du contrat, il me semble. Néanmoins, mon excellent ami, j'ai beau comprendre tes sentiments, je ne saurais oublier mes intérêts. Lorsqu'il s'agit de contrat, je n'ai pas coutume de faire du sentiment. La seule faveur que je demande est que le premier fils né de cette union s'appelle comme s'appelait mon père. Non, non, comme le mien. Ce sera mon premier petit-fils, Élie. Mais voyons, d'après les savants docteurs, j'ai droit à la préséance. J'appartiens à la tribu de Lévi. Moi aussi. Et je suis un Cohen. Hacham! Hacham, je t'avais dit de rester couché jusqu'à demain. Laisse au moins ta plaie se cicatriser. Ah! Quand donc vas-tu apprendre à obéir, tête d'âne? Il y a longtemps que tu ne peux plus parler, Hacham. Tu es esclave depuis ton enfance? Ah, depuis 5 lunes, 5 mois. Tu n'as pas été long à t'échapper. Je vois ça, le supplice du fouet. À quoi dois-tu d'avoir perdu la liberté? Aurais-tu été vendu pour payer tes dettes? Tiens. N'accepte cet argent que si tu comptes en user mieux que moi. Ruth! Ruth! Ne te cache pas, allons. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Il est temps cependant de faire plus ample connaissance. Ça fait des heures et des heures que nos pères discutent. Ça me réjouit de constater qu'on discute davantage un mariage que la vente d'un troupeau de moutons. Nos pères se chamaillaient pour donner un prénom à notre premier fils tout à l'heure. À présent, ils sont probablement en train de se disputer pour donner un nom à ses frères. Est-il un nom pour le sentiment qu'on va partager, Maïka? Je n'aurai pas de peine à te dire que je t'aime. J'essaierai de mériter ton amour. Nos deux pères vont vouloir que nous nous marions dans peu de temps. Oui. Oui. Dans peu de temps, j'espère. Maïka te fait son premier cadeau. Elle est fraîche et douce. Je compte me rendre à Joppé tout à l'heure pour inviter le grand rabbin à signer l'acte de mariage qu'on a rédigé. Que puis-je te rapporter? J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Pas un cadeau utile. Une petite fantaisie féminine. Un objet qu'on se promet d'avoir mais que jamais on ose demander. Tu vas te moquer de moi? Non. Alors si tu veux bien, Maïka, rapporte-moi une colombe de Smyrne. Blanche comme les neiges immaculées qui couronnent le mont Liban. Oui, je vais me faire un plaisir de te la rapporter. Maïka! Il faut nous quitter. Maïka! Oui?
Je sais bien faire la cuisine. Bien, regarde ça. C'est bien ce que le grand rabbin nous a expliqué. Allons, Mike. Une caravane d'infidèles, prosternés devant des idoles, ici, à Joppé. Regarde tous ces braves gens, ils sont aussi choqués que moi de ce sacrilège. Que dirais-je? Pourtant, il appartient seulement aux anciens d'en discuter selon la loi. Les anciens, ils ergotent sans arrêt, mais ne décident de rien. Cependant, cette fois, Thoran, regarde. Voilà l'homme qui a voulu me tuer. Oh, Maïka, Maïka! J'escomptais bien que tu viendrais. Je savais qu'en voyant entrer Rakim, tu voudrais le suivre sous ma tente. Qui es-tu? Narib, si tu l'ignores. J'ai entendu parler de toi. Tu règnes sur le grand temple de Damas, le temple impie avec ses 500 femmes qui en arpentent les jardins. Tu veux dire 500 prêtresses? Des prêtresses. Des femmes qui portent de l'argent feraient n'importe quoi. Des filles à peine moins couvertes de phares que les images qu'elles vénèrent. Je sais qu'hier tu as acheté un esclave qui m'appartenait pour 25 pièces d'argent. Je veux racheter Hacha, mais je t'en propose 250 pièces si tu le veux bien. Disons 500. Alors 800. Un loup devant sa proie est moins féroce que toi. N'importe quelle chose à son prix, dis-moi le tien. Hacha est mon ami. Enverrais-tu un ami à la mort? Samara. Elle va devenir la grande prêtresse d'Astarté à Damas. Le visage d'Astarté est voilé. Ainsi, tout amoureux peut fort bien imaginer sous le voile le visage de la femme qui fait l'objet de ses désirs. Toi, Maïka, quel visage est-ce que tu imagines sous ce voile? Toi, n'importe quoi a un prix. Dis-moi le sien. Sache qu'elle n'est pas pour un adepte de Jéhovah. Tant pis, je la veux. N'importe comment, je l'aurai. Hacha m'a cherché à soulever Damas contre toi. Et tu le laisses à ce fils d'Abraham? Nous saurons bien traduire Hacham en justice, Rakim. Quant à l'autre, nous le retrouverons un jour. Cet hébreu m'a traité de loup tout à l'heure. Oui, moi. Oui, mais prends patience. Nous trouverons un moyen de l'humilier. Ce Maïka. Maïka? Maïka. Thank you.
Va te coucher maintenant, il fait presque jour. Moi ? Je suis trop impatient de voir s'achever cette nuit. Hacham, j'écoutais plus que de raison à tous les vins entre ici et Petra. J'ai connu tant de femmes que j'en suis rassasié. Et pourtant, je me conduis comme un enfant qui perd la tête devant le premier fruit défendu. Une prêtresse, servant d'une infâme idole couverte de phares. Mais elle brûle mon sang. Puisse le Dieu Tout-Puissant aider notre peuple. Puisse notre Dieu bénir son peuple dans la paix. Maïka, tu as récité la prière mais n'as touché à rien. Mon père, Maïka, ce que tu vas dire, il me semble que je le sais. Ton rôle est néanmoins de parler comme le mien est d'écouter. Père, je sais que je vais vous peiner ainsi que Ruth. Je suis contraint de renoncer au mariage. Crois-tu être le premier à manquer de courage au seuil de la vie conjugale? Ou le dernier? Seras-tu surpris d'apprendre que moi aussi j'ai été pris de panique à l'idée que j'allais me fiancer? Ceci n'a rien de commun. Les hommes de ton âge s'imaginent volontiers qu'ils ajoutent une page nouvelle au grand livre de l'expérience. Père, vous ne savez pas tout. Explique-toi donc, qu'est-ce que j'ignore encore? Que Maïka s'était pris de la grande prêtresse d'Astarté, une créature qui s'est vouée au culte de ses idoles païennes. Serait-ce vrai? Elle est déjà en route pour Damas, dit-on. Et Maïka veut les rejoindre. Maïka, je t'ai toujours laissé faire ce que tu voulais. Mais cette fois-ci, je t'avertis que... Je n'ai jamais vu de femme plus belle ni plus envoûtante. Je ne permettrai pas que tu te souilles. Vous savez quels sont mes sentiments à votre égard. Je vous obéirais sans peine si j'en avais le choix. Mais j'ai beau faire, elle accapare toutes mes pensées. Je dois partir pour Damas tout de suite. Donnez-moi ma part, donnez-moi ce tir qui revient de droit au cadet de vos deux fils. Maïka, je t'ai élevé selon l'esprit des 10 commandements. D'après les lois du grand Moïse, d'après les préceptes d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Souviens-toi, je t'ai appris moi-même à différencier le bien du mal. Je t'ai appris à ne pas confondre l'amour et le désir. Si malgré cela, tu décides à présent de renier ton héritage sacré, ce sera ton vieux père qui te reniera. Et puisque tu réclames ta part, la voilà la part qui va te revenir. Père. Ton père, tu n'es plus mon fils. Maïka, j'ai imploré le pardon de mon Dieu pour avoir cédé à la colère. Je ne vaux pas tant de tourments. Tu es mon fils, Maïka, et je dis qu'un fils mérite toujours l'affection de son père. Oui, même si un jour il veut quitter ce père. Je vais te donner la moitié de ta part en pièces d'or, et je garde l'autre moitié à ta disposition. Mais je vais te donner autre chose, ma bénédiction. Votre bénédiction? Connaissant mon but précis? Maïka, la vertu te semble désormais dépourvue d'attrait. Je souhaite néanmoins que la bénédiction de Dieu s'étende sur toi. Qu'il te fasse découvrir en toi cette force morale qui seule nous fait fuir le mal. Miroir trompeur, où le vice usurpe l'aspect de la beauté. Maïka, écoute-moi. Prends cette vieille bague qu'on se transmet dans la famille de génération en génération. Qu'elle te rappelle ta maison natale. On a besoin de moi dans les champs.
Maïka, tu as un devoir à accomplir avant de t'en aller. Ruth. Adieu, mon fils chéri. Je te garde ma tendresse. Je vous conserve toute mon affection. Adieu, père. Est-il possible qu'elle soit aussi belle? Tu es au courant? Les femmes en savent toujours plus long que les hommes ne le croient. Tu dois savoir alors que ce n'est pas contre toi que j'ai agi ainsi. Et que tu as bien de la chance d'être débarrassé d'un homme capable d'en arriver là. Il ne manque pas de soupirants autour de toi, dont les mérites sont plus grands que les miens d'ailleurs. Seulement à ton retour, car tu reviendras, tu trouverais absolument normal que je te reçoive à bras ouverts. N'y compte pas, Maïka. Ruth. Va-t'en maintenant. Ce vaste monde où nous vivons. Maintenant, tu sais pourquoi l'on dit que tous les chemins conduisent à Damas. Voici la route que nous avons suivie. Alexandrie, Joppé, Damas. Nous sommes venus en bateau jusqu'ici et nous avons suivi la caravane. Et là, où les arbres étaient si verts, tu as mangé trop de figues mûres. Ensuite, le désert. Je suis fatiguée d'apprendre toutes ces leçons. Pourquoi faut-il s'encombrer la mémoire, Samara? Quel intérêt offrent ces villes que j'ai vues? C'est celle où je vis qui m'intéresse. Oui, c'est vrai, Yasmine. Ce qui importe, c'est le lieu où l'on est et ce qu'on est. Et également ce qu'on va devenir. Lorsque je serai grande prêtresse d'Astarté et que toi, tu ne seras plus aussi belle, qu'est-ce que tu deviendras? Je saurai encore trouver le moyen de servir ma déesse. Mais suis-moi, il faut que je t'apprenne une chose bien plus utile que l'emplacement des principales villes. À présent, je vais te révéler le plus grand des secrets. L'art de se farder les yeux afin de les rendre mystérieux. Pourquoi cet air grave, Yasmine? Je n'en sais rien. Réponds. Je ne suis pas tellement sûre de vouloir devenir grande prêtresse. Oh, si. Regarde bien. Une touche de colle, rien qu'une touche. Pour au moins 1 million de femmes, il n'y a qu'une grande prêtresse. Moi, quand j'avais ton âge, j'avais peur aussi. C'est vrai? Il est l'heure. Déjà? Regarde bien pendant qu'Elissa me prépare. Jamais meilleur esclave ne m'a servi. Le miroir, Yasmine. Un million de pièces d'or, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour que je consente à t'effrayer. C'est ton métier, cependant. Il a fait de toi l'homme le plus riche de Damas. Le peuple sait que le gouverneur n'est qu'un vil pantin dont Narib tire les ficelles. Pop, 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 pop. Tu es un tyran, Narib. Le peuple exècre les tyrans. Si jamais on t'assassine, qui va me rembourser? Qui? On n'osera jamais. Hein? Ne crois pas que cette nouvelle grande prêtresse d'Astarté te sauvera la vie. Elle n'empêchera rien. Je ne vois que deux issues pour toi. Une guerre ou bien une grande calamité. Une calamité ou bien une guerre. La calamité, je la prépare. Ah? Et comment cela? La récolte sera mauvaise cette année. Je
Ce n'est pas une nouveauté que je sache. Le peuple est toujours affamé. Ça n'a rien d'une calamité ici à Damas. Il y aura moins de blé encore que d'habitude. Et les gens du désert se livreront au meurtre et au pillage. Ce sont des tribus très pacifiques. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elles pilleront? Je fais ce qu'il faut pour ça. Toi? Oui. Avec ton or ajouté au mien, je vais faire rafler tout le blé disponible. La plèbe me le paiera n'importe quel prix par la suite. Si fin qu'est le peuple aujourd'hui, il va connaître des jours pires, bien pires, à tel point qu'il ne pensera pas à tuer des tyrans, ni à se révolter, ni à tenter quoi que ce soit. En dehors de prier Baal et Astarté, de l'empêcher de mourir. Le peuple aura faim. Oh, ta sagesse est profonde, tu es très habile. Si tu réussis, tu deviendras l'homme le plus riche à l'est d'Alexandrie. Je ne peux que réussir, sur toute la ligne. Hein? Malgré tout, tu peux échouer, ta vie ne pèsera pas lourd dans la balance. Et dans ce cas-là, je ne reverrai jamais plus mon million de pièces d'or. Cela demande de longues réflexions, mon cher, très longues. Je mets mon point d'honneur en tant qu'hôte à approcher de la perfection. D'où mon grand désir de te réserver une compagne parfaite. Sais-tu que j'ai parcouru maint pays avant de rencontrer une grande prêtresse aux cheveux d'or? Oui, Bosra. Tu verras que le peuple va connaître des jours pires. Pires que jamais. Regardez-les, les citoyens de la pierre d'Amas, ça. Venez. Maître, que cherches-tu? Un toit pour ta tête, des mets pour ta panse, les jouissances raffinées de Damas peut-être, car Mich connaît les bons endroits. Laisse-moi te servir. Ah, tu es un étranger, je le vois à ta barbe. Et comme tous les étrangers, tu meurs d'envie de voir le mur des tentations, mais c'est tout à côté d'ici, à quelques pas. Laisse Carmiche t'y conduire. Comme je le dis à qui veut l'entendre, profite de la matinée, tu ne verras peut-être pas la nuit. Conduis-moi, Carmiche. Oh, tu ne vas sûrement pas t'en plaindre. Maître, je remarque tout, je connais tout, mais je suis discret. Le muet est dangereux, c'est un fauteur de troubles. Dis-lui de faire demi-tour. Pas possible. Si. Il est malfaisant. Il appartenait au grand prêtre. Mais ces jours-ci, dans la ville de Joppé, un infime. Maître, saurais-tu... De Joppé, en effet. Pourquoi? Pour rien. Ville intéressante, grand port, Joppé, oui. Oh, mais tiens, voici le mur des tentations avec ses annonces. Tu peux acheter n'importe quoi, satisfaire tous tes goûts, tous tes désirs. Il m'arrive d'offrir jusqu'à 10 pièces d'argent, mais jamais plus. Veux-tu une servante, une gouvernante, un cuisinier, ou bien encore une jolie danseuse, maître? Aimes-tu les femmes grandes, petites, grasses, timides, ou au contraire loquaces? Parle, et fie-toi à mon jugement. Parce que j'ai beau avoir un air famélique et aimer trop le bon vin, je n'en suis pas moins un homme instruit. Si tu as besoin d'un scribe à ton service, voudrais-tu d'Aïda, qui cuisine si bien qu'elle t'en fera oublier qu'elle a l'air d'une chouette? Ou de Vurdé, qui recoudra jusqu'aux accros de ton cœur? Ou de Kata, aux belles lèvres douces comme ses chansons? Carmiche, n'insiste pas, il n'y aura jamais pour moi qu'un seul nom sur ce mur. De quel maître? Samara.
C'est un étranger. Il ignore nos coutumes, nos rites. Attrapé de la part du noble étranger à l'âme généreuse. Maître, inscrire son nom sur ce mur, ce serait profaner Samara, la grande prêtresse d'Astarté. Quel sacrilège! Tu ne manques pas de tête, Carmiche? Parle en ces termes de Samara et tu perdras bientôt la tienne. Tu es un infidèle. Malgré cela, je t'ai en trop haute estime pour te voir jeter dans une fosse et servir de pâture aux vautours. Oublie donc Samara. Elle n'est peut-être pas sacrée pour toi, mais aux yeux de son peuple, elle est Astarté en personne. Et une Astarté casquée d'or. Elle habite dans le temple au mur gardé par des centaines d'épées damasquinées. Nul infidèle n'a jamais pu pénétrer en sa sainte présence, non plus que franchir l'enceinte des célèbres jardins. On m'a déjà parlé de ces jardins, en effet, comme de ces maisonnettes, d'ailleurs. Où vivent les assistantes de la prêtresse, les jeunes filles les plus voluptueuses à l'est d'Alexandrie. Une promenade à travers ces jardins est une sensation inoubliable, une griserie perpétuelle. Et si attardée. Mes maîtres, Damas, en dehors du temple même, offre un choix de plaisir, de cabaret, de divertissement des plus rares. Si tu permets, je te trouverai un moyen d'oublier Samara. Non, j'ai fait un trop long voyage pour me contenter de cela. Je pénétrerai dans le temple et je verrai Samara. Tu me trouveras toujours devant le mur en face de la boutique du boulanger prêt à te servir. Maître, ne sais-tu pas qu'il m'en a coûté 18 pièces pour que tu sois débarrassé de cette ville racaille? Voici le double de ce que tu viens de demander. Maître, crois-moi, je n'aurai pas à me servir d'un rasoir. Ta barbe va fondre toute seule. J'ai inventé une mixture. C'est un mélange de bois, de musc, de gomme, de lait d'arnès, de bouse de vache et de poudre de vipère. Taille cette barbe. La barbe, maître, n'est portée que par les étrangers. Les infidèles, les citoyens de Damas ne la portent jamais. Je tiens à la garder, car c'est une coutume chez mon peuple. Tu vas éblouir toutes les jeunes filles de notre cité. Mais à ta place, maître, je raserai... Je ne la couperai jamais, m'entends-tu? Le prix en est élevé. Mes ressources ne sont pas illimitées. À mon avis, la terre est le meilleur déplacement. Les étrangers sont des fous. Ils dépensent leur or à tort et à travers. Mais si tu achètes cette ville-là, tu verras tes fonds se multiplier à la fin de chaque nouvelle récolte. C'est le sol le plus riche de tous. Hein? Ah, ce visage, j'étais sûr de le connaître. Et qu'as-tu, mon cher Bossra? Oh, rien, rien du tout. Tu trouveras en moi un ami à la fois discret et tolérant. Par ailleurs, tu ne peux être responsable des fâcheuses mésaventures de notre grand prêtre à Jopé. Puisse la foudre frapper Jopé pour l'anéantir. Mais c'est moi le responsable. Hein? Oh, c'est... C'est une fort noble attitude. Je ne t'en respecte que davantage. C'est très courageux, mais attention, Maïka. Cet Hacham est l'ennemi de l'ordre public. Voyons, alors même qu'il avait sa pleine liberté, il passait sa vie à soulever les esclaves, les persuadait qu'on les faisait travailler trop sans les nourrir assez. Bossra, je me décide à prendre cette ville-là. Tu en recevras le prix. En or. En or fin de Jopé, que personne à Damas ne voudrait voir fondre sous les coups de la foudre. Tu as l'esprit prompt et j'ai de la sympathie pour toi. Mais si tu veux mon avis, il faudrait quand même que... Je sais, que je me rase. Oh! Si nous parlions du contrat pour la ville, il est à l'intérieur. Je l'ai fait rédiger, préparer pour la signature. Attends ici. En somme, tout le monde ici te considère comme une forte tête. D'après moi, Hacham, il est bon de provoquer le désordre parfois. Es-tu venu pour servir Baal et Astarté? Pour les servir et leur sacrifier. Alors entre et purifie-toi. De Baal et d'Astarté retombe sur toi. Ce saint lieu n'est pas fait pour un infidèle.
tu es un infidèle. Tiens. Il n'y a personne d'autre qui veuille se faire assommer pour une pièce d'argent? Le temple ne tardera pas à apprendre ça. Maïka de Jopé. M'apportes-tu un message de la part de la grande prêtresse? Rends-toi tout de suite au temple. On m'a dit que les infidèles n'avaient pas le droit d'entrer au temple. Nul infidèle n'avait osé écrire sur le mur jusqu'à présent le nom de la grande prêtresse. Une pareille hardiesse mérite sa récompense. Bon, Hacham, ne la faisons pas attendre. Hacham! Reste là, Hacham. Puissent les dieux d'amour prendre en pitié celle qui n'a jamais voulu s'offrir à l'amour. Un infidèle ose gravir ces saintes marches. Patience, Rakim. Maïka. À Jopé, tu as déclaré, paraît-il. N'importe quoi à son prix. C'est ton grand prêtre qui l'a dit. J'ai dit que je voulais t'avoir, qu'à n'importe quel prix je t'aurai. Fort intéressant. Le moyen peut ne pas être facile, mais non impossible. Ça dépend. De quoi veux-tu m'expliquer? Oh, du prix qui est offert. Cela va de soi. Dis-moi, quel est ce prix? Il varie selon la personne, selon sa fortune, ses sentiments. Un prince phénicien a offert en hommage à ma déesse ce rarissime lampadaire. Il doit provenir du Cachemire. Ce char de jade serti de pierreries a été offert par un prince de l'Empire céleste, des plus valeureux. As-tu vu Coq plus joli et fier que cette statuette en or? Ce fut aussi le prix payé par le grand calife de Bagdad. Un homme de petite taille, mais d'une force herculéenne. Recevoir ces présents doit te paraître agréable. Ou plutôt, doit faire le bonheur d'Astarté, qui a l'air d'adorer ses hommages. Je le souhaite. Ces offrandes ne sont-elles pour elle? Le plus riche habitant de Damas a envoyé ceci. C'était accompagné d'un petit mot exprimant sa
sa profonde reconnaissance. Mais la tienne, Micah, devrait être bien plus profonde. Parce que tu vas offrir la plus précieuse, la plus pure des perles. La perle que Salomon offrit à la reine de Saba. Astarté portera cela autour du cou. Mais c'est ton offrande qui va parer sa couronne. À toi, Sanara, j'offrirai n'importe quoi. Mais à une idole aussi vide que creuse, je ne donnerai rien. Pourquoi? Parce que ton dieu le défend, peut-être. Parce que tu as peur du courroux de ce Jéhovah que personne ne voit ni n'entend. Parce que j'ai foi en mon dieu, parce que sa voix a commandé... Tu n'auras pas d'autre dieu que moi-même, et tu te garderas d'approcher leurs autels afin de ne servir que moi. Achète la perle que Salomon a offerte à la reine de Saba. Elle n'est pas pour moi, mais pour Astarté. Elle en éprouvera de la gratitude. Et toi-même n'auras pas à le regretter. Tu vois cette pièce de monnaie? Elle représente ce que j'ai offert pour toi hier soir au mur. Micah. Tu reviendras avec mieux qu'une simple pièce de vil métal. Moins de foi en ton Dieu. Et plus dans le mien. Puisses-tu vivre des moments paisibles jusqu'à ce que tu me revoies. Mon fils, écoute la voix de la sagesse et prête l'oreille à mes conseils. Que tu puisses revenir à la raison et que la lumière se fasse en toi. Car les lèvres des étrangères, mon fils, sont plus douces qu'un gâteau de miel et leurs paroles plus onctueuses que l'huile. Mais leurs pieds sont déjà dans la terre. Écoute-moi, ô mon enfant chéri, et suis le chemin que je t'ai tracé. N'approche plus de cette femme, ô mon fils, non plus que du seuil de sa maison. Même pas remarqué mes deux nouvelles danseuses. Et néanmoins, je jure par tous les dieux d'ici ou d'ailleurs que de toutes les beautés que j'ai amenées chez toi pour te faire sourire... La différence pour moi entre deux femmes et dix femmes réside uniquement dans leur nombre. Que tu m'amènes une centaine de femmes ne changerait pas cette façon de voir. Une centaine, maître, même pour l'homme que tu es. Tiens. Et puisse la vie être à jamais aussi simple pour toi. Il y a longtemps que tu as deviné que ce brasier était en moi, que rien ne pouvait l'éteindre. Mais que faire alors? Retourner à Joppé. Une voix intérieure ne cesse pas de me murmurer. Reviens à Joppé. Peut-être faut-il partir. Vert. Jaune. Vert. Jaune. Bleu. Rouge. Vert.
Noir. Interprète les chiffres. Je compte 15 bleus, 7 rouges et 4 verts. Je pose 15. Je retranche 7, j'ajoute 4, ce qui donne le chiffre 12. 12 se trouvant composé lui-même des chiffres 1 et 2 me donne un 3. Annoncez-le. Notre faisant sacré proclame que ce jour est voué au 3. C'est un chiffre favorable, le 3? Plus que favorable, Bostra. C'est le meilleur jour pour les mariages, l'élevage des troupeaux ou encore les sacrifices humains pour satisfaire nos dieux. Favorable pour tes projets à l'égard de Maïka? Quoi? Un hébreu qui s'est permis, d'après ce qu'on a dit, de te traiter de... De quoi déjà? De loup féroce. Que devient-il? Il s'en retourne à Joppé. Quand? Aussitôt qu'il aura vendu son domaine. Je sais qu'il en demande la moitié de sa valeur. Console-toi, tu ne tarderas pas à avoir sa propriété. Les tribus du désert l'auront peut-être saccagé, mais il me semble que tu l'auras pour rien. Qu'est-ce que tu comptes lui faire au juste? Le dépouiller de son or? Ça ne serait pas assez, à mon avis. Certaines personnes, Bossera, ne sont guère humiliées par la pauvreté. Oui. Tu voudrais en faire un esclave, une bête de somme, pour construire tes nouveaux greniers. Vois-tu vraiment un meilleur métier pour celui qui a pris mon cher esclave muet? Hey, je ne conçois pas meilleure vengeance, en fait. J'en connais une. Je briserai ce Maïka, je briserai en même temps ses forces et ce qu'il prétend être son âme. Les fanfares sonneront, Bossera, et les foules se rassembleront. Et Maïka, fils d'Eli, un hébreu de haute naissance, sera exposé sur les degrés du Nord, en face de mon peuple. Et il abjurera sa foi. Baal et Astarté en auront des frémissements de joie. Mais qu'est-ce qui te fait rire, Bossera? Oh, rien du tout. Pardonne-moi, est-ce que tu crois vraiment à toutes ces histoires-là? À ces faisans, aux augures, aux idoles? Tu sais, toi, que je suis parti de rien, et vois où je suis monté. Et je monterai plus haut. Ris une fois de plus de mes dieux, sceptique Bossera, et je te trancherai la langue. L'Égyptienne, allons! 10 pièces d'or fait pour qui aura bien voulu jouer l'Égyptienne! La roue de la fortune! Voyez-la tourner! Voyez-la s'arrêter! La roue tourne! Voici le gagnant, la Phénicienne, le numéro 60. Ramassez vos gains, mettez vos enjeux pour la suivante. Mettez vos enjeux. Hola, jeune Yasmine, approche, je te prie de rester auprès de moi. Tu aideras la chance. J'en ai besoin. Volontiers, excellent. Enfin, commençons. De l'activité. J'adore l'activité. Oh, mon Dieu. Est-ce que cela vous est utile pour jouer, excellent? Ça ne peut être tombé de ma manche, voyons. Je n'ai pas pu tricher. Le gouverneur de Damas jamais ne triche. Le vent fait par la roue de la fortune la jeter par terre. Ça, j'en suis sûre. Je le jure par Baal et Astarté. Quelle grande prêtresse elle fera. Tiens, tu n'as pas regardé ta quatrième carte, jeune homme. Non, j'ai oublié. Les Persans qui ont inventé ce jeu ont un proverbe selon lequel l'homme qui fait fortune aux cartes ne connaît pas le bonheur en homme. N'oublie jamais cela, petite. Mais toi, Hacham, tu n'es heureux ni au jeu ni en amour. Quelle pitié. Cet enfant devrait être couché. Emmène-la, Elissa. Suis-moi, Yasmine. Elissa! Hein? Qu'y a-t-il? Votre Excellence, une proposition à faire au grand prêtre Narib. Mes gains de la soirée en échange d'Elissa. Nous ne jouerons qu'une fois, une seule carte chacun. Il a déjà gagné de quoi s'acheter 12 esclaves. J'aimerais que la Judée envoie d'autres fous de son espèce. Narib, est-ce que tu relèves le défi ou dois-je t'en intimer l'ordre? Je le relève, ça va de soi. Bon.
Non. J'en appelle à la loyauté de son Excellence le gouverneur. Cette fille est toute tremblante. C'est elle l'enjeu. Aussi vous demanderai-je qu'elle donne les cartes. Entendu. Cinq. Ah, six. Hacham, elle est à toi. Conduis-la à la villa. Damas s'est montré généreuse envers toi. Même ton esclave a une esclave. Micah, Micah, Micah. Viens, 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 reste avec moi. Tu peux t'en aller maintenant, Micah. Je partirai. Mais ne me quitte pas, surtout. Où que tu veuilles aller, quoi que tu demandes, je t'obéirai. Tu mérites meilleur compagnon, Uba. Je ne mérite guère pourtant les bienfaits dont je t'ai comblé. Tu me quittes déjà? Vas-tu bientôt vendre ma propriété? Oh oui, oui. Les perspectives sont très brillantes. Ton banquet, lui, ne l'a pas été. Après ta fabuleuse fortune aux cartes, tu oses me dire ça? Il te manquera donc toujours quelque chose, ou quelqu'un. J'entends une certaine personne. Selon toi, elle devait venir. Elle est ici. Tu t'ennuies à ce banquet? Avoir d'ici, il a l'air très gai. Seulement pas d'où j'étais. Tu me surprends. Les femmes qu'on y joue sont les plus belles du marché. As-tu noté les hanches superbes de cette grecque ou bien ne les as-tu pas vues? Et l'adorable moue de cette belle égyptienne quand elle regarde un convive. Oui, j'ai vu tout cela. Mais c'est toi que je n'ai pas vu. Qu'est-ce que tu veux dire, Micah? Que le monde n'est pas assez vaste ni assez divers pour que j'oublie l'ineffable douceur de tes caresses. Je n'ai pas oublié non plus ta beauté si virile, ton arrogance, ton impiété. Oui, Micah, j'ai pensé bien souvent à toi. Quand je me trouvais seule ou bien en compagnie. La perle? Je t'ai déjà fait comprendre que ma foi me l'interdit. Est-ce que ta foi ne te défend pas de me désirer? Je t'ai dit qu'à toi, je donnerais n'importe quoi. Et rien à une idole creuse, rien du tout. Regarde-moi. Quoi que tu puisses offrir à ma déesse, n'est rien comparé à ce que tu peux recevoir en retour. Oh, Micah, on ne t'a jamais parlé du poète de Baalbek. Le repos le fuyait, il désirait savoir lequel des beaux-arts placé le plus haut. Fallait-il attribuer le prix au poème épique? Ou à la mélodie suave du musicien? Aux figures rythmées du danseur? Non. Il a fini par l'accorder à un art encore plus grisant et sublime que l'ensemble des plus délicats. Il l'avait étudié au sanctuaire d'Astarté. L'art de l'homme. J'aime que tes lèvres se posent sur les miennes. Samaras en retourne au temple. Mais console-toi, jeune homme, crois-moi. Console-toi, jeune homme. La perle demeure. Tu veux en discuter le prix? Un filtre d'amour, le meilleur de Damas, de la poudre d'ambre, de la racine de mandragore et de la poussière de lune. Jeune homme, achète-moi mon filtre d'amour et ta bien-aimée te suivra partout. Combien
régal de prince. Vois comme elle est ferme, tu te pourlècheras les babines. Tu te délecteras. Une pièce de cuivre pour une belle oie grasse. Fripouille, pirate, voleur, escroc, tu n'auras... Deux pièces d'argent, ça va mieux, bien mieux déjà. Tiens, tâte-la encore. Ne l'oublie pas, la famine désole la contrée. Il y a de plus en plus de gens qui meurent de faim. Deux pièces d'or maintenant. Oh, puisque tu n'aurais 100 ans sur cette terre et mourir aussi gras que les victimes du temple. Merci. Arrêtez-le. Emparez-vous de cet homme. Qu'on fasse jeter au cachot ce voleur. Oh. Et c'est de ce côté-là. Faites place à Dachan et à sa radieuse fiancée. Faites place. Faites place au marié et à la mariée. Faites place à l'heureux marié, à l'heureuse mariée. Que Val les bénisse, qu'Astarté les bénisse. L'heureux marié, l'heureuse mariée. Faites place, faites place. Hacham, Hacham, tu vas partir immédiatement chez mon père, à Joppé. Tu lui donneras ceci de ma part. Et reviens dès que tu pourras, avec ce qu'il t'aura remis. Dis-moi, tes jambes deviennent-elles aussi inutiles que ta langue? Hacham, je n'aurais jamais dû dire ça. Puisses-tu revenir en bonne santé, et vite. Mais qu'est-ce que c'est? Tu ne me donnes pas bonne mesure. Les réserves s'épuisent et les prix ont augmenté. Les autres s'impatientent. Tu veux ton grain ou non? Oui. Regarde-les. Ils attendent sous la pluie et ils ne grognent même pas. Je voudrais qu'ils grognent. Vois-tu, quand la populace ne bouge pas, qu'elle est silencieuse, qu'elle est triste, il est temps de prendre garde, temps de faire une diversion, et même d'en faire votre obligé. Votre obligé, maître? À présent que les pluies sont enfin venues, la terre va se trouver prête pour les semailles de printemps. Ainsi, mon peuple affamé me sera infiniment obligé si j'appelle la bénédiction des dieux sur les moissons futures, ce que j'ai bien l'intention de faire, d'ailleurs. Avec tout l'apparat nécessaire. Citoyens de Damas, sachez que votre état de famine n'a point échappé à sa divinité, le grand prêtre. Sachez qu'au soir du troisième jour, un sacrifice suprême sera offert afin que Baal et Astarté mettent un terme à votre triste condition. Enfin, sachez aussi que la grande prêtresse, Samara, va implorer les dieux de la fertilité en votre faveur. Notre grande prêtresse d'Astarté en personne, un sacrifice humain, les rites de la fertilité, songes-y, maître. Je t'assure qu'il n'y a rien de comparable sur notre planète. J'ai pour ami un des gardes du temple. Si tu lui proposes 100 pièces d'argent, je pense qu'il voudra bien t'en laisser franchir l'enceinte. Seulement... Voyons. Hésiterais-tu encore, toi qui as franchi les déserts et les sommets blancs de neige pour cette déesse faite femme? Tu es un homme, mon cher maître. À toi de le montrer.
refuse de manger. David reste là sans rien manger. David ? Non, non, père, ne gâtez pas cet enfant. Laisse-moi, un jour tu sauras que les petits-enfants sont faits pour être gâtés. Alors, cher petit. Je n'aime pas ça. Je déteste le poulet. J'ai l'impression qu'il bat des ailes. Mais suppose que nous mangeions de l'agneau rôti. Verrais-tu la laine pousser sur son dos? Ce n'est pas du tout pareil. Pourquoi? J'aime beaucoup l'agneau. Ah non, c'est la réponse franche d'un cœur droit. Mais ce n'est guère le jour d'avoir le ventre vide. Aujourd'hui, c'est la fête des tabernacles. La journée de la joie et des remerciements à Dieu. Qui nous réunit dans cette cabane faite avec des branchages, des feuilles et de jolies fleurs, ouvertes aux doux zéphyrs et aux étoiles qui brillent et miroitent. Dis-moi, cher petit, sais-tu pourquoi nous l'avons construite? Pour la simple raison qu'il y a 12 siècles de cela, quand notre peuple fut délivré par Moïse de l'esclavage d'Égypte, il fut forcé d'errer au milieu des déserts. Là, il dut s'abriter sous des toits comme celui-ci, fait de branchages et de feuilles et de fleurs sauvages que... Mais n'est-ce pas... Quitte là, grand-père. Mike! Non, c'est Hacham. Maïka est-il en bonne santé? Le rouleau, quelle nouvelle? Maïka réclame l'autre moitié de la part qui lui revient de droit. L'autre moitié de sa part? Mais pourquoi? Pour la donner à cette prostituée, alors que vous avez peiné pour lui toute votre vie. Non, ce serait injuste. Selon nos lois, cet or lui appartient en propre. Veille à ce qu'on fasse manger Hacham et amène-le-moi. Mais père, il n'a plus rien à attendre de nous. Allons, Joram. Fais savoir à mon fils qu'il n'a plus rien à attendre de moi. À partir de ce jour, j'ignore jusqu'à son nom. À partir de ce jour, il est mort dans mon cœur. Fertilité, mâles et femelles de toute la création,
Que notre sacrifice ce soir amollisse ton cœur, ô toi, comme ces pluies que tu as versées ont amolli la bonne terre de nos ancêtres. Aie pitié, ne nous laisse pas à la merci des tribus nomades qui veulent détruire ou piller nos pauvres ressources actuelles. Que la lueur de ton feu éternel dissipe les ténèbres qui règnent sur notre infortuné pays. Les aveugles eux-mêmes verraient sa beauté éclatante. N'attends pas, maître, qu'Hacham soit revenu de Jopé. Cours chez Bosra, emprunte-lui la somme requise pour la perle. Quand Hacham apportera ta part, tu pourras rembourser cet argent. Tu as vécu pur en prévision de cet instant, Myrmidas. Saute et tu revivras à jamais dans cet empyré dont les dieux te montrent le chemin. La plus précieuse de ce monde. Elle vaut bien qu'on s'endette pour elle. L'acte est préparé, lis-le. Lis-moi ce document ligne par ligne et n'oublie rien, qu'il s'agisse des conditions ou bien des sanctions habituelles, dans l'éventualité très peu probable d'ailleurs où tu n'aurais pas remboursé à l'époque convenue. J'insiste toujours auprès de mes clients pour qu'ils relisent minutieusement leur contrat, y compris ce qui est écrit en petits caractères, en tout petits caractères. Donne-moi ce document, qu'on en finisse. Que tu es donc impatient, jeune homme. À ce moment, les hommes sont toujours venus me voir dans mon temple. C'est la première fois que je me trouve avec un homme, Micah. Seul dans un lieu profane. Es-tu riche comme tu le parais? Aussi riche qu'un prince? Ou qu'un calife? En ce moment, il n'est pas au monde d'homme plus riche que je ne le suis. Qu'y a-t-il, Micah? Comme je te connais bien désormais. Dis-moi vite ce que tu as. Je n'ai rien. Je croyais que je m'étais endormie. Mais je t'observais en réalité. N'iras-tu encore que tu n'avais rien? Samara. À un certain moment, j'ai cru que tu serais pour moi une exquise fantaisie. Et rien de plus. J'ai cru que je ne te désirerais plus. Et maintenant? Je te désire plus que jamais à présent. Et je ne saurais supporter de te partager avec ces hommes que tu accueilles.
si légèrement. Je te veux à moi seul. Je veux être ton mari. Je ne pourrai jamais appartenir à un seul homme. Pourquoi ? Parce que je suis la grande prêtresse d'Astarté. On m'a élevée pour cela. Depuis l'âge de Yasmine, et même plus jeune encore. J'appartiens à tous les hommes, Mike. Samara. Comment arriverai-je à te faire comprendre ? Mais c'est à toi de comprendre, au contraire. À toi de voir avec des yeux grands ouverts ce que signifie d'être grande prêtresse d'Astarte. Je m'en suis déjà rendu compte. Oh, tu n'as vu que moi. Or, il faut que tu me voies avec mon peuple. Laisse-moi te conduire jusqu'au temple. Et tu comprendras alors. Maintenant, Micah, tu vas te rendre compte. Qui est là? Hacham. Ton maître s'impatientait, il t'attend depuis des jours. Il avait peur qu'un malheur fût arrivé à son or. Et pour ma part, je tremblais qu'il te fût arrivé malheur. Tout le monde dort, sauf Maïka. Il est parti avec Samara. Hacham, il n'est pas digne de ton dévouement. Pardonne-moi. Hacham, laisse-moi te redire toutes ces choses que ton cœur a déjà exprimées dans sa langue à lui. Et laisse mon cœur lui répondre comme il le désire. Mais non. Pourquoi employer de vains mots entre Hacham et Elissa? L'or, tu le trouveras caché dans ses fontes de sel. Mais ne perds pas de temps, car son maître Maïka est reparti pour sa villa. Il peut y être d'un moment à l'autre. Nous n'en sommes pas à notre premier coup. Attends. Épargne le muet. Le grand prêtre lui réserve un autre sort. En avant! C'est là en petit caractère. Le créancier disposera de la personne du débiteur à défaut de remboursement dans les délais prévus ci-dessus. Lis-la, je dis à Maïka, avec soin, mais il brûlait d'impatience. Et comment aurait-il deviné qu'on lui déroberait son or, que sa villa incendiée n'aurait plus aucune valeur?
Cette bague est tout ce qui lui reste. Qui aurait pu rêver qu'il lui arriverait d'être vendu comme esclave? C'est triste, très triste. Le feras-tu vendre au marché de Carthage? Non. Ou aux Phéniciens pour leur galère? C'est moi qui vais acheter, Maïka. Non. Non, Samara? Pourquoi? Parce que je sais comment tu traites tes esclaves. Pourquoi tant d'inquiétude pour un infidèle? Oh, comme tu dois haïr cet homme. Une chose m'intrigue. Est-ce uniquement à cause du dieu qu'il vénère? Écoute-moi bien, Narib. Je n'oublie pas que tu es le grand prêtre. Mais je suis la grande prêtresse, par contre. Et toi, retiens bien mes paroles. Il faut enseigner à ce Maïka que les seuls vrais dieux qui existent sont Baal et Astarté. Tes joues ont grand besoin d'une touche de phare. Tu es pâle. Pourquoi as-tu vendu Maïka à Narib? Parce que je suis trop vieux pour bien des choses, Samara. Mais encore un peu jeune pour mourir. Crois-tu? Celui-ci n'a rien. Celui-là a une jambe cassée. À la fosse au vautour. Sais-tu combien de temps il faudra au vautour pour en faire un squelette? Dans les 15 à 20 heures, à mon idée. Tu paries? Je tiens le pari. Allez, faites place, vous autres. Ce peuple de Damas, regarde-le, Hacham. Il est inerte. Pourquoi se teste-t-il? Pourquoi ne se soulève-t-il pas quand on arrive? Parce que la liberté n'est plus qu'un souvenir pour eux. Jusqu'alors, j'étais toujours venue à toi pour te servir. À présent, je viens pour t'implorer. Entends-moi, ô Astarté. La perle qui te part, c'est lui qui te l'a offerte. Je t'en supplie, sauve-le. Pour l'amour de ta servante. Est-ce que tu priais pour... On dit que son nom ne doit jamais être prononcé, jamais. Oui, je faisais une prière pour Maïka. C'est un sacrilège. La dernière fois qu'une grande prêtresse a commis ce sacrilège, on l'a enterrée vive. Elle a hurlé pendant presque toute la nuit. Tous les gens vinrent pour la voir et l'entendre. Ses hurlements diminuèrent petit à petit. Il n'en entendit plus rien tout à coup. C'est exact, on l'a parlé. Mais rien de tel ne s'est jamais produit à Alexandrie. Mais c'est déjà arrivé dans cette cité, à ma maman. Oui. Oui, je sais. Mais n'aie pas peur. Jamais plus ça ne se reproduira. Je l'espère. Oh. Samara, tu sembles lasse. Je suis un peu fatiguée, je me retire. Va donc faire un tour dans la cité. C'est l'époque où les rogiers sont en fleurs à Damas, dans le quartier des greniers. L'air est imprégné de senteurs capiteuses. Tu pourras y rencontrer Maïka, peut-être. Si jamais tu le vois, tu peux lui offrir sa liberté.
Il faut pour cela qu'il abjure publiquement sa foi sur les degrés du Nord, devant la ville tout entière. Même si je voulais bien aller le trouver, jamais il ne voudrait renoncer à son Dieu. Il est orgueilleux, obstiné, fanatique, mais tu verras comment Rakim vient à bout d'un infidèle comme lui. Pour Samara. Pour toi et Samara. Et à présent, l'épreuve finale. Pauvre garçon. Il est mort, j'en suis sûr. Laisse-moi faire. Alors ? Il est aussi mort qu'une momie. Je vais appeler les gardiens. Il est bon pour les vautours, comme il ne le sera jamais. Non. Attends. Encore un moment. Était-il jeune ou âgé? Allez, sortez tous. Tous sauf l'infidèle. Plus vite que ça. Ne le touche pas. Micah. Un jour, tu m'as confié combien tu tenais à lui. Tu aimais Hacham presque autant que moi, je t'aime. Narib m'a parlé, Micah. Il est disposé à te libérer. Et il m'a chargé de te l'annoncer. Il a promis, dis-tu, de me libérer. En échange de quoi, j'aimerais savoir. Qu'est-ce qu'il demande ? Que veut-il, enfin ? Que tu abjures publiquement ta foi devant la ville entière. Qu'importe quelques mots vides de sens. Dis que tu adores un faux dieu et pense ce que tu voudras. Alors, si je proclamais devant le peuple de Damas que mon dieu est un faux dieu, je serais vraiment libéré? Oui. Libéré de l'ordure, des chaînes, de ce lieu et de tout ce qu'il représente. Renoncerais-tu à tes dieux, Samara? Non, je ne pourrais jamais renier Baal et Astarté. Il faudrait qu'eux-mêmes me renient pour cela. Ils pourraient donc le faire, selon toi? Oui. C'est bien ta conviction. De toute ton âme, tu y crois. J'y crois. J'ai foi de toute mon âme en mon Dieu, moi aussi. Je ne pourrais pas davantage renier mon Dieu qu'il ne pourrait un jour me renier lui-même. Parce que la présence de mon Dieu se retrouve dans la plus humble des créatures. Peut-être. Peut-être pas. Mais si tu pouvais faire semblant de renoncer, jamais plus nous ne serions séparés. Micah et Samara réunis à jamais. Non, c'est impossible.
Les sévices ont fait naître en moi la haine de tes divinités Baal et Astarté. Je les hais pour ce qu'ils ont fait de ton peuple. Et de toi. J'étais sûre que Narib ne pourrait réussir à te fléchir. Je le sentais dans mon cœur. Sais-tu comment chez moi on punit celle qui aime un infidèle? La coupable est enterrée vivante. Astarté m'a réservé un châtiment mille fois plus cruel. Écoute, ô Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il n'en est pas d'autre. Que ton nom soit béni entre tous les hommes, toi, dont le royaume jamais ne prendra fin. Tu t'engageras à servir le Dieu que tu vénères de toute ton âme, de tout ton cœur et de toutes tes forces. Que ces paroles que je prononce devant toi aujourd'hui soient à tout jamais gravées dans ton cœur. Tu les enseigneras avec diligence à tes descendants. Tu les commenteras pour tous ceux qui sont autour de toi. Au foyer comme en chemin, tu les prononceras. Et quand viendra l'heure dernière, et au moment de la résurrection. Dieu a épargné sa vie, Maïka, mais pourquoi cela? Nous trouverons bien un moyen de nous évader. Il y a de longues années, j'ai dit cela aussi. Qu'avais-tu la volonté de faire pour t'enfuir d'ici? N'importe quoi. Et qu'as-tu fait? Rien du tout. Toi, Maïka, que feras-tu, toi? N'importe quoi. Oui, je ferai n'importe quoi. Et davantage. Le peuple peut pardonner bien des choses à un tyran, sauf les affres de la faim. Or, n'arrive à dépasser la mesure. Je crois que c'est le bon moment. Ramadi. Mais suis-je bien l'homme qui convient? Oui. Voilà. Maintenant, je suis sûr que personne ne te remarquera dans les rues de Damas. Sans vouloir me vanter, j'estime que c'est du beau travail. Et ça en vaut vraiment la peine, cette fois-ci. Il est temps, on prépare la drogue. C'est de la magie. De la pure magie. Tu ne vas plus du tout sentir ton doigt. Tiens, cela, toi. Ça va l'engourdir. Mais l'ensemble du corps, par contre, conservera absolument sa sensibilité. Est-ce que tu te souviens encore bien des noms des personnes à qui nous pouvons nous fier? Zoubir le potier, Nisbin le charpentier, l'atelier du forgeron au bout de la rue des marchands, Salkad le maître maçon. Ça sera douloureux. Une grande respiration aide les plus braves. Abdul le colporteur, Liran le rétameur, Douvra le parfumeur, Caïm le porteur d'eau. Lequel de vous trois tue l'infidèle? La vérité, sans quoi il vous enfuira? C'est la peste. La peste? Comment le sais-tu? Comment nous le savons? Eh bien, d'abord, il s'est plaint d'avoir la fièvre. Et ensuite... Mais quoi d'autre peut s'abattre aussi soudainement que l'éclair? La peste. Toi, le barbier, le chirurgien, soumets-le à l'épreuve des morts. Mais voyons, pense que les humeurs malignes de la peste
se répandent au moindre contact. Moi, toucher ce cadavre, n'as-tu jamais lu Hippocrate? Allez, l'épreuve, tout de suite. Ôtez-lui ses chaînes et allez les jeter dans la fosse. Qu'attendez-vous donc? À qui le tour de venir présenter ses hommages? Votre Majesté, ce coq stupide nous a appris une triste vérité, à savoir qu'il est plus facile de pénétrer dans l'antre du lion que d'en sortir. Ah! Ah! Samara, encore une fois, et j'irai me coucher. Tu le jures? Oui, la main sur le cœur. J'ai de bonnes nouvelles, d'excellentes nouvelles. En effet, tes nouvelles doivent être heureuses. C'est bien la première fois que je te vois sourire. Qu'est-ce que c'est? Cet infidèle, ce mécréant Maïka Benelli, est mort. Il est mort de la peste. Et on l'a jeté dans la fosse au vautour. Il ne t'importunera plus jamais. Je suis envoyé par Ramadi, l'intendant. Tu viens des cachots? De la fosse? Je vous engage à vous tenir prêt. Pour quand? Ça va être pour quand? La nuit. La nuit de la pleine lune, Zuber. Dis-le à Salkad. À Hum. Et à Nisbin. Ils seront tous prévenus. Amis. Karmish, que fait-il donc ici? Il n'existe pas dans tout Damas d'être plus abject que lui. C'est un rat d'égout et son âme est pourrie. Oui. Je le reconnais, je suis un rat. Quand le navire fait naufrage, quel rat attendrait qu'il coule? Narib fait naufrage, il est allé trop loin. N'importe quel mendiant de Damas s'en rend compte. C'est pourquoi tous les mendiants de Damas sont avec toi. Maïka, c'est grâce à l'or fourni par Karmish que nous sommes encore en vie. Si tu échoues, bien entendu, dans cette même nuit de la pleine lune, je repasserai de l'autre côté.
Voilà enfin la pleine lune. Que n'avons-nous le moyen de sortir de nos chaînes pour pouvoir nous battre? J'ai envie de cogner sur nos bourreaux. Oh oui, j'ai envie de cogner sur nos bourreaux. Je l'ai vu, dans la file devant les greniers. Ton Maïka. Quoi? Je l'ai aperçu dans la file devant les greniers. C'était bien lui. Tu as vu un homme qui lui ressemblait? Non. Il attendait au milieu des gens dans la rue, devant les greniers de l'Ouest. Je le jure la main sur le cœur. Mais il est mort. Tu entends? Mort. Tu le sais. J'ai juré, la main sur le cœur. J'ai vu son visage aussi nettement que je vois la pleine lune. Et il n'y a que Maïka pour ressembler autant à Maïka. Oh, Yasmine. J'ai mon arme avec moi. Où est la tienne? Du poivre. Il y en a assez. Yasmine jurait qu'elle t'avait reconnu. Ça semble trop miraculeux pour être vrai. Oh, Maïka. J'étais morte sans toi. Tu es sain et sauf. Je revis maintenant. Samara. Je connais un bon moyen pour nous enfuir. J'ai fait tous les jours notre voyage par la pensée. Mes dieux trouveront bien une prêtresse autrement digne. Suis-moi. Je reste. Mais toi, il faut que tu t'en ailles le plus vite possible. Pourquoi? Sauve-toi tout de suite. Pourquoi, Maïka? Suis mes conseils, sinon tu es perdu. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment se fait-il que tu sois avec cette tourbe? Je suis là parce que j'en fais partie. Toi? Qu'est-ce que tu envisages de faire? Nous sommes décidés à renverser tes dieux infâmes, nous le ferons. Maintenant, enfuis-toi vite avant qu'il soit trop tard. Maïka, je t'ai offert pourtant de recouvrer ta liberté, de te sauver. Je me suis offerte. Mais je suis prête, au nom de ma foi, à te perdre. Tout comme au nom de la tienne, tu m'aurais perdue. Rakim! À l'attaque! Thank you.
empêchons-les de passer. Au mur des tentations pour que la foule le voie. Au mur des tentations! Samara! Il a été pendu. De leurs yeux, ils l'ont vu pendu au mur des tentations. Ces criminels ne mettront jamais la main sur moi. Une galère m'attend dans le port. Je vous emmène jusqu'à Byblos. Non. Je reste ici. Je lui ai dit pourtant que sa vie ne pèserait pas lourd dans la balance. Prends garde, toi aussi. Mon peuple ne me touchera jamais. Ces gens recouvreront leurs esprits en me voyant. Tu n'éprouves donc aucune crainte? Une grande prêtresse pleure le jour où elle vient au monde. Après, il lui est interdit de verser une larme. Vivre bossera à présent. Il faut me le promettre, Yasmine. Ne pleure jamais. Attends. Tiens. Oh non, Samara. Seule la grande prêtresse peut le porter. Garde-le fidèlement tant que nous sommes séparés. Puissent les dieux de l'Empire éternel rapidement nous réunir. Oh, Yasmine, ne l'oublie jamais. Tu as été choisie pour devenir grande prêtresse, pour en être digne. Que nous nous trouvions bientôt ou non, jamais mes pensées ne te quitteront. Je le jure, la main sur le cœur. Je t'aimais tant, Samara. Nous sommes perdus si elle ne meurt pas tout de suite.
Hacham. La maison de mon père. Je préférerais servir de domestique chez mon père que d'être... d'être roi à Damas. Mike! J'ai péché. Ne parlons pas de cela à présent, mon fils. J'ai péché contre vous, j'ai péché contre le ciel. Je ne mérite plus d'être appelé votre fils. Caleb, avertis, avertis notre famille, nos amis, ainsi que nos voisins. Et qu'on aille chercher une troupe de musiciens qui sache faire régner une franche gaieté. Car mon fils était perdu, mais Dieu soit loué, il est retrouvé. Et Caleb, le veau gras, tue le veau gras, Caleb. Car ce soir, nous festoirons et nos âmes déborderont d'allégresse. Elle était venue quand même. Si elle était venue, je lui aurais dit que si l'on ne peut oublier certaines choses, il est possible parfois de les pardonner. Ce que tu as à me dire, dis-le-moi à voix haute au lieu de le garder pour toi. Qu'y a-t-il ? Je vais vous le dire, père. J'ai consacré de nombreuses années à vous servir, à vous obéir en tout point comme vous l'avez demandé. Mais je n'ai jamais connu la joie des festins familiaux ou amicaux. Jamais vous ne m'avez sacrifié, ne serait-ce qu'un agneau, pour faire bonne chère avec mes compagnons. Mais pour ce fils prodigue de vos deniers, qui a dilapidé sa part d'héritage, vous avez tué le veau gras ce soir. Mon fils, je ne t'aime pas moins que Maïka, et tout ce que j'ai t'appartient. N'oublie pas que si j'ai immolé le veau gras, c'est que ton frère était mort et qu'aujourd'hui il est en vie. Il était perdu et il est retrouvé. Interroge-toi, Joram. N'as-tu pas trop sévèrement jugé ton frère? Mes héritiers, mes fils, ma postérité.